Salut, salut, c'est Rage Ludius pour un nouvel épisode de Hitman Absolution. Ah, j'espère que vous allez bien, moi ça roule. Et on va continuer, on s'est arrêté, c'est-à-dire au tribunal, en avant les petits loups. Allez, allez. Qu'est-ce que ça peut passer? Ah. Bah j'ai peur. Ouais. Donc, vous l'avez vu se relever et partir comme ça après la chute? Ouais. Et tu sais, on aurait dit un ange, mec. Vous pourriez me le décrire? Foutez le camp! Vous me faites perdre mon temps. Un témoin en vue, ce type, et personne n'est foutu de dire à quoi il ressemble, à part qu'il est chauve et qu'il a un tatouage sur la nuque. C'est Morgan Freeman. Vous croyez vraiment que c'est lui? Que c'est notre homme? Ça pourrait être le Père Noël, ce que je veux, c'est le coincer. Inspecteur? On vient de nous livrer ça. Le gamin a dit de le donner à celui qui cherchait... le tueur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire là maintenant? Ils m'ont déjà envoyé toutes les petites sœurs là. Toujours la deuxième partie. Hein. Je me demande qu'on va passer en partie 3. Voilà le fameux tribunal. Bien, affaire suivante. Dexter Industries contre Kevin Zimmerman. Violation de propriété. Shérif, où est le prisonnier? Votre honneur, le prisonnier a eu un malencontreux accident dans sa cellule ce matin et il est en route pour l'infirmerie. Ouais, ouais. Je vois. Bien. Vous croyez qu'il s'en sortira? C'est assez sérieux. En fait, il a fait une sacrée chute. Affaire classée. Oh, les glandeurs. Bon, je vais aller faire un petit tour en bas pour jeter un œil aux prisonniers. Au revoir, votre honneur. Je vais te montrer, moi. Flic véreux. Accéder aux cellules. Allez, on y va les amis, on y va les petits potes. Hitman Absolution. L'accusé plaide non coupable en raison de circonstances atténuantes. Le procureur demande à votre honneur de rejeter cette demande sur la base d'une preuve vidéo qui ne laisse. Accéder aux cellules. Jolie coupe de cheveux, je n'ai pas les cheveux. En plus d'être surveillé, l'entrée de la prison est verrouillée. La parole est au ministère public. On va regarder vite fait le speech. Le shérif Skurky. Greg Dexter lui a sûrement confié ce poste en échange de sa loyauté. Dexter Industries.
Les Cougars, la police. Le groupe est une ville prise en otage. Quelqu'un devrait faire le ménage. Ouais. Mais je ne suis pas là pour ça. Ah non ? La fille est ma seule responsabilité. Skurky la retient quelque part dans le tribunal. Probablement dans une des cellules du sous-sol. Je dois entrer. Ok, accéder aux cellules, la prison d'un machin, atteindre la zone de prévise. Voilà. Comment on va faire pour atteindre la zone ? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Bon, alors, il y a énormément de flics, bien sûr. C'est normal. Il faut que j'essaie d'accéder aux cellules. Je sais pas si j'ai le droit de monter. Security room. Des câbles de surveillance conduits jusqu'à cette pièce. Ouais, donc là il faut une carte pour rentrer. La zone des temps des agents de sécurité. Est-ce que j'ai le droit de monter en haut ? Ce n'est pas recevable. J'en ai rien à foutre, mec. C'est pas du vol. Bon, pour essayer de... Bien le bonjour. Eux, je les ai volés. Bonjour. Je vais voir un peu là. Pareil que vous allez participer à la soirée entre filles la semaine prochaine. Et huissier. Je sais pas trop. Tribunal. Je veux dire, ce genre de soirée... Ah, faudrait que je me déguise en huissier. C'est pas... Mais je vais d'abord essayer de... Est-ce que je peux sortir ? Vous voyez pas sur la défensive avec moi. Je ne peux point sortir. Pas ma tasse de thé non plus. Votre tasse de thé ? Pas besoin de courir, monsieur. Il ne se passe jamais rien. Désolé, je suis pressé. Par contre, ce qui est illégal, c'est de prendre quelque chose... Coin, coin. Bon, alors... tac, tac, tac. Sûrement un moyen d'accéder... Ok. Ah, il y a une fenêtre ouverte ici. Les preuves sont présentes d'ici. Les preuves sont présentes d'ici. Là, il y a une fenêtre, mais il y a le flic devant. Donc, parce qu'en fait, il faudrait que j'accède à une pièce fermée pour récupérer, je sais pas moi, les clés ou quoi. Enfin, je présume. Donc là, apparemment, c'est un peu le caca pourri. Parce que je trouve pas... Ah d'accord, c'est intrusion. Donc j'ai pas le droit d'être là. Ici aussi. J'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, de toute façon, c'est intrusion là. Intrusion. Là, je regarde, hein. J'observe un peu. C'est pas évident ici. Hein. Regardez le nombre de flics qu'il y a. Si je commence une fusillade ici, je peux vous dire que je vais pas tenir longtemps. Ah voilà, il s'est barré, donc je vais essayer de sortir. Éteindre le téléviseur. Vous voyez ? Hop là, ok. Là j'ai éteint le téléviseur, donc je pense que c'est la caméra. Je vais essayer de... d'accéder à une pièce, peut-être... ouais, ok. Faut peut-être descendre, je pense, d'abord. Il n'y a rien pour vous ici, monsieur. Faites demi-tour. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous cachez ? Un ovni qui s'est écrasé ? Un laboratoire secret ? Non, ne me dites pas, non. Attendez une seconde, il y a ma manette qui s'est éteinte. Je crois que j'ai bientôt plus de piles sur ma manette, je suis désolé. Ok, donc à mon avis, il faut que je monte quelque part. Je sais pas si les gens là, ils vont me dire quelque chose. Il y a sûrement une pièce là où je dois accéder. Je vais voir ici un peu. Intrusion. Intrusion. Il y a un gars là en bas, je crois. Ouais, il y a un gars. Mais il y a ma manette qui s'éteint à chaque fois que je me mets à couvert, c'est plutôt handicapant comme truc ça. Allez, viens toi. Ah non ! Il y a ma manette qui s'éteint ! Ah, c'est pas vrai. Il y a ma manette qui s'éteint là. Plus batterie.
vraie saloperie de manette. Alors, j'ai toujours des soucis, moi, ça m'énerve. Voilà, je me suis déguisé en flic. Enfin, en garde de sécurité, ça va déjà nous faciliter les choses. Alors, je vais ramasser le flingue, là, on sait jamais. Si ça finit mal, au moins on est armé. Bâton de police. Bon, je vais pas commencer à ramasser toute la merde que je trouve. Donc là, normalement, je vais pouvoir accéder à cette zone. Et il y a sûrement un moyen d'aller dans les bureaux du juge ou un truc comme ça. Et juste pour trouver les clés. Ou la carte de sécurité. Est-ce que ce serait pas l'agent 47 de l'agence toute secrète que personne ne veut connaître? Ah, il va me courser lui maintenant. Ah, j'ai plus d'instinct. N'essayez pas de fuir. Venez, que je vous vois de plus près. Bon, alors les amis, apparemment, il y a des mecs qui m'ont fait chier là. Ah, un corps? Bon, d'accord, bah viens. Allez, rentre. Qu'est-ce que t'attends? Viens. Oui, oui, oui. Viens ici. Il rentre même pas ce con. Ah si, il va venir là. Ah c'est bon, mais c'est bon, c'est bon. Ok. Ah, vous avez de l'action sur cet épisode les amis, parce que ma manette est complètement folle. Bon, maintenant on arrête les rigolades là maintenant. Ça m'énerve. Vous savez quoi? Une petite ellipse, je vais changer les piles de ma manette. Heureux les amis. Voilà. J'ai changé de pile, j'espère que ça ira mieux maintenant. Bon, en tout cas, voilà. Comme ça a de nouveau fini en baston, donc je vais prendre un fusil, on sait jamais. Déguisement, c'est déguisement de quoi ça? Ah, de toute façon, ils m'ont pas reconnu, donc je suis pas recherché. Et j'avais plus d'instinct, donc c'est ça le problème. Un tomahawk? Je prends. Oh, c'est la classe. Bon, donc du coup, ouais. Voilà. Mais bon, il n'y a personne qui a rien remarqué. Voilà. Ah, je peux accéder à une fenêtre là, apparemment. Donc on va faire ça. Est-ce que je dois traîner des corps? Est-ce que je dois planquer quelque chose? Pff, de toute façon. Ah, bah merde. On va se barrer. Quoi seulement là? Mais pourquoi ils se hissent pas? C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Ouais, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah, c'est le juge. Mais s'il vient à la fenêtre, je peux le balancer par la fenêtre. Il y a personne d'autre, je pense. Non, il y a juste lui. Il y a pas moyen que je le balance par la fenêtre. Ce serait marrant. Hop là. Coucou. Coucou. Il y a une sorte de corbeau devant ma fenêtre, tout chauve et... Ah, il me voit là. Ouais, un vrai dur. Il a la carte d'accès en plus, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah mais je peux me déguiser en juge du coup, ça sera plus simple pour passer derrière là. Putain, je vais te planquer où mon gros? C'est là qu'il y a un flic qui rentre, c'est... Qu'est-ce que vous faites? Rien, je fais le ménage, il y avait une sorte de grosse tache par terre. Non, déguisé. Je vais me déguiser un peu, je vais voir. Voilà, classe. Ouais, je suis le juge. Avec ça, on peut aller partout, hein. Ah, mais c'est pas vrai! Ah, je suis maudit. J'arrive à me déguiser en juge, et qu'est-ce qui se passe? Il y a cette coin-coin de secrétaire qui rentre.
Mais voilà, fusillade time, les gars. Ça y est. Bienvenue dans mon monde. Voilà. Je suis en train de faire collection, là. Et il recharge vite, au moins. Ça fait plaisir. Je sais pas sur quoi il tire, les gars, là. Mais bon, moi, je suis tranquille, là. Oh, c'est pas vrai, mon vieux. C'est un pump. Tu meurs, tu meurs. Tiens, on est pas dans GTA, ici. C'est pas grave. Tiens, quand je pense, j'avais le déguisement du juge et la carte d'accès. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la secrétaire qui rentre pendant que je le fous dans l'armoire, tu sais. Super, mais c'est génial. Mais c'est le fail le plus total. Bon, y a plus personne qui vient, là. Moi, je jure pas. Hein. Vous avez vu, ils sont au moins 100 000. C'est casse-couille, ça. Regardez le nombre de cadavres. Regardez combien de flics j'ai déjà buté. Ah, s'il y en a qui se ramènent, là. Ouais, bon, ça, c'est super, l'ordinateur. C'est super. Merci. Ah, il m'a touché, ce con. Oh, je crois qu'on est tranquille en munitions. J'ai un cran Tomahawk. Ah, c'est pas vrai, ça me gonfle les fessiers. On fait bourrinos, là. Ah, le plus beau, c'est que j'étais bien parti pour pas la faire bourrin, justement. Faut que je bouge un peu pour qu'il se ramène. Je crois que ceux qui sont en orange, c'est les civils. Parce qu'à ce moment-là, il reste juste deux flics. Je sais pas sur quoi ils tirent, hein. Ils sont un peu à la ramasse, les mecs. Ok. Il me faut un peu... Il y a sûrement de la vie quelque part. Non, 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 tu mets pas comme ça. Ils vont passer par là. Ah, décidément. Je crois que j'ai tué tous les flics de l'immeuble. Le plus beau, c'est que je dis, ouais, vous imaginez la fusillade, ça devrait être le bordel et tout. Et puis moi, là, je tue tous les flics de l'immeuble. Bon, maintenant, je vais me déguiser en flic, peut-être. Peut-être que ça va aller calmer. Voilà. Bon, ben... Ouais, c'est bon, c'est fini. C'est bon, il est mort. Je l'ai tué. Rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Oh la vache. Je l'ai bien eu, celui-là. Ah oui, la carte d'accès. Est-ce que je l'ai ramassée, du coup? Ah, la voilà. Et voilà, et on y va. Regardez-moi ça. Ça, c'est du travail de pro. Oh, c'est bon, rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Ta-ta-ta-ta. Bon, ben, je vais dans les cellules, je vais voir s'il n'y a pas de prisonnier qui s'est échappé entre temps. Ouais, parce qu'avec le bordel là, du coup, il n'y a plus de garde en bas, hein. C'est incroyable. Ah, ben, c'est déjà ouvert, bah. Ah, ben, tiens, oh, c'est... Oh, ben, j'aurais dû. Voilà. Écrocheter la serrure, et puis on va voir après. Cellule atteinte, voilà. Donc, clac. Tolar. Allez, les amis, je continue. Parce que. Fuck des polices. Bon, ouais. Donc vous avez vu le carnage. Moi j'appelle ça du beau travail parce que pour finir, j'ai eu ce que je voulais. C'était bien parti. Bon, je sens que ça va de nouveau chier ici. Est-ce que je peux me cacher là-dedans? Mais pourtant, je croyais dans la mission, je pouvais me cacher là une fois. Ok, donc il faut que j'aille tout au bout des cellules. Ah, c'est là-dedans qu'on peut se cacher, ouais. Je sais pas si je peux censé passer par là. Ok, il y a du monde là en bas. Ouais, donc il faut que j'aille là où il y a un mec devant. Je vais me mettre là deux secondes. Comme ça j'observe un peu. Je sais pas si un gars va venir ici. De toute façon je suis en flic, ils peuvent pas me repérer quoi. De toute façon j'ai mon fusil à pompe, hein. C'est pas ces trois mecs là qui vont me tuer avec tout ce que j'ai fait là comme carnage. Je vais peut-être aller voir là. Quoique, non, je sais pas. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ah, d'accord. Ok, donc...
Peut-être qu'il faut déconnecter, il faut ouvrir la porte d'ici d'abord. Et vu qu'il y a un mec tout seul là, je pense que je peux m'en charger sans trop de soucis. On va reprendre la bonne vieille corde de piano. Hein, quoique. Pourquoi pas prendre le tomahawk? Comme ça, cette fois-ci, je vois un peu comment on fait. Voilà. Bouya! Silencieux. C'est vrai, maintenant ça marche. Quand je voulais le faire sur la petite sœur, là, l'épisode précédent, ben, ça n'a pas marché. Je le reprends. Merci. Ouais, bon, on va traîner le corps. On a déjà perdu tellement de points, de toute façon. On va essayer d'en gagner quelques-uns. Ah, mais merde, il n'y a pas d'endroit pour le planquer. Changer Tomahawk contre bâton de police. Non, merci. Tomahawk, c'est beaucoup plus marrant. Bon, je te laisse là parce que tu m'énerves. Ah, trousse de soin. Génial. À mon avis, je peux passer par là. Bouche d'évacuation. Ouais, on va passer par là. Oh, il y a un prisonnier. Aujourd'hui, c'est ma dernière chance. Cet après-midi, je vais payer pour les erreurs que j'ai faites. Mais il parle même pas. Tu le sais si tu lis les journaux. J'arrive à lire dans ses pensées. Et regardez, il parle même pas. Non. T'as bien raison. Papa, papa. Oh, il parle, il écrit à sa fille. C'est tellement mignon. Allez, bouge-toi. Voilà. Ah, c'est propre ça. J'ai même pas fait de fusillade. Et tous les points qui remettent un zéro. Allez-y doucement avec lui, les gars. Ce prisonnier a besoin d'aide. Ouais, bah j'ai pas que ça à foutre, merci. Est-ce que je dois le sauver ou pas? J'ai perdu assez de temps comme ça. Ah, je sais comment je pourrais le tuer en faisant l'attaque spéciale, mais je sais plus comment on l'a fait. Bon, bah tant pis. Ah, quoique, c'est que ça serait quand même triste. Ah non. J'ai que 5 munitions, je vais perdre des munitions et j'en ai besoin. Fais chier, c'est dommage. C'est quoi ça? Une clé à molette? Ah oui, c'est bon. Bon, il faut que j'aille là-bas. Oh, tu dois être le nouveau! C'est ça, tu te fous de moi? Tu penses que ton plan va marcher? Ah, c'est pas vrai! Je déteste la manette Xbox! Ouais, bon, je suis mort. On va nettoyer un peu. Décidément, c'est de nouveau ma chance. Je pense que c'est impossible de faire tout le jeu en silencieux, quoi. Enfin, si, c'est possible, mais il faut être un PGM de malade. Hein. Parce que là, j'ai vraiment rien fait, le mec, il m'a repéré. Maintenant, je vais tous les buter. Wow, hey, t'es mort, mon vieux. Qu'est-ce que tu me balances des balles, là? Voilà. Ah merde, il est mort lui maintenant. Super les mecs quoi. C'est de nouveau la folie. Bon ben. Allez, on y va. Maintenant c'est fini. Je joue nouveau Rambo. Ma cible. J'ai plus de munitions dans le pont. Ouvrir la porte. Ouais bah bon, de toute façon là j'ai fait le ménage. C'est quoi ça? Tournevis. Allez, on y va. Il y a un coffre ici, on peut pas l'ouvrir? Non, ah, dommage. Allez, on ouvre la porte. Bon là, j'ai vraiment... C'était là, l'épisode fail. J'ai déglingué tout le monde là. Sans rien faire en plus. Et ils m'ont repéré comme ça. Oh non, il y a nouveau du monde ici.
Ah mais c'est des prisonniers. Ah non, c'est pas des prisonniers. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Échanger Tomahawk contre masse? Non, merci. Oh, c'est pas vrai. Mais il y a combien de flics dans ce jeu? Et en foot tous les 50 mètres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des combats? Tra, quelle bande de malades! Faut que j'aille où au fait? Ah là, ils sont en train de se faire une petite bagarre là. Bon. Ah bah voilà. Ils organisent des combats dans la prison quoi. Franchement, les flics ici, c'est quoi ce bordel? La chaîne a l'air d'être fragile. Ah mais j'ai plus de balles de silencieux moi. Comment je vais faire pour la péter? Le Tomahawk? On peut taper avec au fait. Ah c'est pas vrai, j'ai vraiment pas de bol moi. Je l'oublie. Là, il y a une clé à molette quelque part, non? On va fouiller un petit peu. Entrée. Que c'est que ça? Bon, on va aller par là, dans le doute. Hop. Oh, j'ai pas beaucoup de vie au fait. Sortir. Crocheter. Est-ce que je serai de l'autre côté? Ouais, je serai de l'autre côté. Ah bah voilà, pas besoin de se faire chier quoi. Objectif rempli. Ok. Oh là là, c'est... Vétéran, je suis vétéran, putain. Je suis vétéran du fail, ouais. Allez, je vous laisse savourer la cinématique. Genre. Alors, voilà. Ding ding ding, victoire par KO. Encore un petit coup histoire de bien sentir la douleur. Ouais, Dexter. Nos problèmes. Juste un connard. Je vous ai dit que j'étais un pro. Ouais, il dort comme un bébé. Au prochain épisode, je vais te faire la misère, mon pauvre. Bon, tribunal moins 2000, bon, c'est normal. Hein. C'était 26 morts. C'était. Ça t'a du boulot un peu. Hein. C'était Terminator. Hein. Prison 9000. Bon, là, j'ai eu des points. Oh, il y avait des armes comme ça et j'en ai même pas trouvé. Bon, ben voilà, les petits loups. C'était Hitman Absolution avec Rage le Dieus. On se retrouve au prochain épisode, mettez des likes, mettez des commentaires, abonnez-vous s'il vous plaît, ce serait cool. Et on se revoit la prochaine fois, alors avec de nouvelles aventures. Bonne soirée, bonne journée, ciao ciao. See ya.